Je dis souvent, il y a des chrétiens Obélix et Astérix, mais les chrétiens Astérix, ceux qui ont rencontré la potion magique du Seigneur, d'un coup, alors là, c'est extraordinaire. Je dois être un handicapé, je suis dans mon fauteuil roulant spirituel et la Vierge Marie me pousse tout doucement vers une pente, sur une pente très très lente, et je monte tout doucement sur mon fauteuil roulant. Et j'ai pas eu de moment où il a fallu monter 4 à 4 les marches pour arriver au sommet. C'est la joie de celui qui grimpe au sommet d'une montagne. Alors celui qui est en bas, il se dit « Oula, je vais rester au bistrot du coin. » Il faut chausser des chaussures particulières, il faut machin, il faut, on aura froid au sommet, ce sera dur de monter, etc. Bon, très bien. Celui qui prend sa bière ou son chocolat chaud, voilà, il a un petit plaisir, et puis il avait beaucoup moins d'efforts. Celui qui est arrivé au sommet de la montagne, il a la joie d'avoir un paysage, la joie d'être arrivé au sommet d'une montagne. C'est rien, mais en même temps, c'est quelque chose. Il a fait un effort, il s'est donné, et cette joie-là demeure. Alors quand, en plus, en haut, au sommet de cette montagne, c'est une rencontre avec le Christ, c'est un changement profond, c'est l'eau dont on n'a plus jamais soif. Enfin, c'est au contraire, dont on est toujours abreuvé. C'est une joie qui ne passe pas. Donc c'est vrai que c'est un vrai choix. Il y a un effort, le chemin est escarpé, personne ne dit l'inverse, la conversion demande des choses qui sont inimaginables, qui paraissent surhumaines, en fait, elles sont juste surnaturelles. Le pardon à soi-même, c'est parfois le plus dur. Hein. Les gens, ils sont prêts à pardonner parfois à des gens, parfois à eux-mêmes, ils ne se pardonnent pas à certaines erreurs, à certaines fautes. C'est la confession. C'est... Oui, c'est dur, mais ça vaut le coup.